Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Flying Sky Memorize. Petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir. Comme d'hab, vous connaissez Twitter, Discord, disponible dans la barre de description. Avant de démarrer le showcase, les amis, petite nouvelle, ils vont nous ramener un nouvel événement s'il n'est pas déjà disponible. Et il va nous permettre de gagner 100 cristaux, plus quelques ressources supplémentaires pour éveiller, enfin, pas pour éveiller, mais pour améliorer un équipement dans un attribut lumière ou ténèbres. Et ça, c'est un très bon point. On termine ce petit combat et après, on va aller en showcase avec Gazelle et Diablo, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Sinon, les gars, dites-moi ce que vous en pensez du jeu dans les commentaires, réellement. Là, je suis en mode auto, bien sûr. Mais ne vous inquiétez pas, on va changer ça. Crois que j'ai oublié de jouer. Est-ce que je joue les deux? Ouais, c'est bon, je joue les deux. Ok. Ah, c'était le dernier niveau, ok. Du coup, là, ce qu'on va faire. En vrai de vrai, le Benimaru, je vais changer avec avec elle, avec lui plutôt. Parce que il me donne un buff en défense. Et il peut me soigner également. Certes, ses soins ne sont pas énormes, mais il soigne toute la team. Je perds 5K de puissance, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Yosh! Un petit boost de drop qui équivaut à 60%. Enfin, c'est un boost à 60%, du coup, c'est pas mal. On enlève le mode auto. Du coup, comment ça va se passer? On va essayer de monter la barre de compétences au maximum. Et d'avoir la compétence également de gazelle disponible. Il faut faire là du coup. On va faire ça. On va faire. On va éliminer les attaques de. Les combos de chaque personnage et de garder une série de combos que de celle de gazelle. Comme ça, on débloque directement son truc. Du coup, on va faire ça. Sais pas s'il va tenir. Bon, il fait trop de dégâts. Akuro, je crois. Ouais, à chaque fois, je me fail dans son blaze. Cool, là, j'en ai 4. Il m'en reste plus que 2. Ah, ça me fout le seum. Oh, l'attaque de zone. Ok, c'est bon. Ah non, parce que. Parce qu'il me faudra ce qu'on attaque. Faudra ce qu'on attaque obligatoirement. Par contre, ouais, non. On va switch. On va switch et on va prendre lui. À la place de. La place de Selimule, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se soigner parce qu'on n'a pas le choix. Ok, là c'est pas mal. Est-ce qu'on peut faire maintenant? On va faire un premier test. Avec cette compétence. Vu que j'ai une série de combos de 4 coups là. Normalement, ça devrait bien faire le taf. On est quand même à plus de 6500 de dégâts. Hein. On pourrait même dire à du 7000. Hein. Il va ulti ou pas?
Faudrait que je le switch maintenant, comme ça, histoire qu'il me serve pour après. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ces personnages. Ok, nice. J'en élimine au moins un. Ouh. Ok. Je suis à 31. Ok. En vrai, là, je peux me permettre de switch. On va faire ça pour le premier switch. Et deux. Ah, mais je suis dans tout cas, je peux en lancer qu'un seul. Et en plus, il réduit mon attaque. C'est pas grave. Mais en plus, j'ai pas assez. Ok. Du coup. Il ne laisse pas le choix. Il ne laisse vraiment pas le choix. Qu'est-ce qu'il me fout? Qu'est-ce qu'il me fait? Il me focus les deux. La petite contre-attaque. Non, réellement. C'est un truc de fou. Je suis à mon deuxième record là. Ok, stop. On arrête. En fait, vous savez ce qui m'énerve, c'est que hors vidéo, j'arrive à proc. J'arrive à proc. Les 6 coups d'un coup. Enfin, la série de combos de 6 coups. Suivi des deux compétences. De boost de Limule et de Gazelle. Et j'enchaîne sur l'ulti sur le prochain tour. Sauf que là, comme par hasard, j'y arrive pas en vidéo. C'est un truc de fou. Ça me rend fou. Du coup, troisième essai. On focus bien lui, s'il vous plaît. C'est lui qu'il faudra éliminer. C'est lui qui DPS. En plus, il est bien squishy. Il a pas beaucoup de vie, il a pas beaucoup de résistance. Si j'élimine lui en premier, en fait, là, je suis tranquille. On est sur du. Je crois qu'on est sur du 160K, là. 150K. On va faire ça. Il va me focus. Oh là là. Il va ult ou pas? Est-ce que. N'est-ce pas le choix, du coup? S'il vous plaît. Non, sérieux, un HP. Je vais pas utiliser le boost parce que je pensais que j'allais le tuer. Ok, la ult. Petit buff de défense. Vu que là je suis full, je vais me faire plaisir. Déménage à 150%. Du coup là, on va se mettre bien. Normalement, je devrais pas tous les buter. Hein. Ouais, normalement, je bute pas, tranquille. Nice. Ah, c'est trop. Et Gazelle, il veut pas arriver. Hein. J'en ai deux. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va faire comme ça sera mieux. Parce que le but, c'est pas de tous les tuer. C'est juste de proc la compétence ultime avec toutes les avec tous les sorts. C'est bon, j'ai son. Ok, nice. On va faire ça. Voilà.
On proc tout. On active ça. On est sur le même type, hein. Et regardez. Je pense que sa compétence à lui seul suffit pour le battre. Mais on va quand même mettre les autres compétences, enfin les autres combos. Alors on est sur du combien? 8000 de dégâts avec le team. C'est un truc de fou, hein. Full buff. C'est un truc de fou. 8000 de dégâts. Hein. Je crois que j'ai battu mon record là, parce que mon dernier score, c'était du 7300 ou du 6300, un truc comme ça. C'est un truc de fou. Ce perso-là, c'est un énorme DPS physique. Et c'est pas du tout normal de faire autant de dégâts, les gars. C'est incroyable. Ok, maintenant on va aller tester sur du Diablo. Ah ben non. Ça va nous prendre 5 minutes, 6 minutes. Ça va nous prendre pas mal de temps, du coup on va s'arrêter à là. Ceci était le premier test. Diablo, ça sera pour demain ou après-demain, les amis. Sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine et prenez bien soin de vous, tout le monde. Peace!